Ce lundi 14 novembre, Annie Dupéret était invitée sur le plateau de Jordan Deluxe, pour son émission chez Jordan sur C8. La comédienne qui a été à l'affiche de la série télévisée Une famille formidable pendant 25 ans sur TF1. Elle est revenue sur ses relations avec les autres comédiens et le public, fidèle, qui a suivi pendant 15 saisons, les histoires de Catherine, jouée par Annie Dupéret, et Jacques, joué par Bernard Lecoq, et de leur famille recomposée. Celle qui a brutalement perdu ses parents à l'âge de 8 ans est revenue avec nostalgie sur cette saga mythique de TF1. Jordan Deluxe a alors demandé à l'actrice, qui a été dans la peau de Catherine pendant des années, si ce rôle lui manquait. La comédienne a répondu non, ça a été fait. C'était magnifique, entre nous, d'amitié, et magnifique vis-à-vis des gens. C'était de l'amour qu'il avait pour cette série. Je pense qu'ils l'ont parfaitement senti qu'il y avait quelque chose qui dépassait beaucoup la télévision. Ce n'était pas une télévision ordinaire. Annie Dupéret balance sur les coulisses d'une famille formidable. La saga de la première chaîne a eu un succès incroyable pendant près de 25 ans. Annie Dupéret s'est confiée sur les coulisses et notamment de son travail avec Joëlle Michel, l'une des créatrices de la série. Notre chance ça a été que les textes ne soient pas très bons. Du coup on a tout réécrit. On a découvert comme ça qu'on pouvait collaborer formidablement à tel lancé, amusé. De quoi faire rire l'animateur qui ne s'attendait pas vraiment à cette remarque. Annie Dupéret a partagé l'écran avec Bernard Lecoq, son mari fictif, avec qui elle noue encore aujourd'hui des liens très particuliers. Il avait d'ailleurs avoué sur le plateau de chez Jordan, qu'il ne s'était jamais engueulé avec la comédienne pendant toutes ces années. L'actrice de 76 ans est à la retraite mais cela ne l'a pas empêché de venir faire le show dans Mask Singer, caché sous un costume de phénix.